Échappe le bullet time. Et là, ça va tout reset. Au final, c'est pas dégueu, hein. Alors, vous êtes prêts pour le... Donc on fera pas d'autre partie, en fait. On va essayer de bien jouer sur la deuxième map, du coup. Vu que on a pas réussi la deuxième map sur la première... Sur la découverte que j'ai mise... Son jeu, les reliques. Que j'ai mise en ligne. On peut pas jouer plus de 6 cartes par tour. Franchement, c'est rare qu'on en ait joué plus de 6, quand même. Je sais même pas si ça nous est déjà arrivé. Donc ça, j'aime bien. Vas-y. Ça part sur le bracelet en velours. C'est parti. Niveau 2, la ville. On va essayer de... Focus. Entertainment? Entertainment. Avec tous les petits points. Allez, c'est parti. C'est le guitare. Ouh, l'élu. Alors. Faut que je me rappelle un petit peu de tout ce que j'ai. Donc, je pioche deux cartes au début. En plus, quand vous obtenez une carte attaque. Heureusement qu'il n'y a pas un temps, comme dans Stone. Oh. Quand vous obtenez une carte attaque, elle est améliorée. Quand vous obtenez une carte pouvoir, elle est améliorée. Chaque fois que vous jouez 3 attaques, on a 4 armures. Au début de chaque combat, on récupère 2 PV. Si on met fin à un tour sans armure, on gagne 6 d'armure. Et on est à 4 de mana. Mais on peut pas jouer plus de 6 cartes par tour. N'est-ce pas? Et on a le bullet time. Nous sommes donc choix. Et on a du poison en plus. C'est bien ça. Il compte me faire du mal? Oui. Alors on va boire une potion qui me protège d'un des buffs. Un des quoi? Excusez-moi, ça me fait. Un peu de jeu que si. Ah oui, finalement on les atteint les 6 cartes. Souffrez. Ça l'a pas hyper affaibli, hein. Je tiens à dire. En 1v1, on est bien avec ce qu'on a là. Hein. On va voir ce que ça va donner avec plusieurs gens. Donc là, on subit 50% de dégâts en plus. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Yeah. Petite potion de force. On peut reprendre tranche. On va reprendre tranche. Oh là! Qu'est-ce qu'ils font eux? Réduit les dégâts d'attaque subis de 50%. D'accord, annulation. 6 dégâts d'attaque infligés à 3 reprises en un tour. Mais c'est rigolo! Une fois 5, une fois 5. D'accord. Déjà le 6 dégâts à tous les ennemis deux fois. Si je rajoute une attaque ensuite à 2. Tac, ça les met à 1 comme ça. Je peux leur enlever cette espèce de... De buff relou. Buff. 3 de poison, 3 de faiblesse. C'est beaucoup, hein. Ah, le petit 4 de poison, pas mal. Alors, attendez, tac. Ah, c'est vrai qu'on les fout à terre. Ah, c'est encore mieux. Moi, je dis c'est vrai, je ne savais pas d'ailleurs. Mais... Ah, mais c'est excellent. Je les ai tellement shootés. Alors, on nul. Et en plus, on peut mettre un 4x8.
que je l'aurais mis? Ah, ça piaille moins, hein? Mais regardez, c'est trop chou. En vrai, comment il vient de lever sa tête. Enfin, chou, façon de parler, bien sûr. On a vu plus mignon que ça, hein. Moi, j'imagine qu'ils vont se relever à un moment. Je pense pas que je les ai neutralisés forever. Mais... Ah, et ça, vous voyez là, ça? C'est sûr qu'ils vont se relever. Mais non. Non, non. Se relever n'est pas une option. Salut, Lactus. Tu vas bien? Vous savez, j'ai un problème avec l'étranglement, c'est qu'il me frustre comme carte par rapport à son coût. Et en même temps, si on le joue dans le cadre du Bullet Time, ça va. Voilà, c'était la petite réflexion. Voilà, voilà. Là, bla, bla, bla. Faudra faire check, 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 check. Voilà, ça se fait. Ah, mais on avait dit l'entertainment, des points d'interrogation. J'ai bloqué. On avait dit l'entertainment. Mais en même temps, bon, faut aussi réussir des trucs, hein. Puis il y a quand même des points d'interrogation dans l'histoire. Fin du tour conserve jusqu'à une carte. Forcément, ça peut être intéressant. Alors, lorsque vous jouez un pouvoir, récupérer 2 PV, lorsque vous avez amélioré 2 compétences. C'est que dans tout ça, il n'y a rien qui me hype de fou. Genre la planification. C'est pas mal, c'est un pouvoir qui coûte 0. Il va me prendre une place dans ma pioche, quoi. Ouais. Elle est vendue. Bonjour. Malléable. PC, des dégâts d'attaque, gagne 3 d'armure. L'armure gagnée augmente malléable. Augmente malléable. Ah, augmente le pouvoir avec les activations. Initialisation à 3 au début de votre tour. Donc faut mettre un maximum de dégâts en peu de cartes. If you know what I mean. Je me suis pas du tout protégée. YOLO. Total, je vais me prendre 21 dans la tronche. J'ai peut-être un peu abusé. C'est ma cinquième partie en bloc, tu sais, donc 4, 5. Ça dépend si on compte les trucs que j'ai fait en mode... Balek. Donc non. Non. J'ai fait la découverte hier soir. Du jeu. Merci, Schneil.
Merci, merci. Et bienvenue. Donc, ça on l'active, Osef. Ah, je me demandais si ça allait compter. Là, on va prendre ça, clairement. Donc en fait, ouais, j'ai fait deux parties hier soir. Et ce matin, je vais en faire trois. Comme ça. Hop, parfait. Après ce matin, je n'ai pas pleine possession de mes moyens vu que j'ai pas dormi. Mais bon, c'est pas une excuse. Alors, tac. C'était peut-être pas une bonne idée ça. C'est bon. Il m'a quand même stressé ce mob là, avec son armure machin truc. Moi je veux ça, obligé. Poison. Nid de poison. On va savoir une rune en éclairé où il fait peur lui. Vous rencontrez plusieurs silhouettes encapuchonnées au beau milieu d'un rituel maléfique. Tandis que vous approchez, elles se tournent vers vous à l'unisson. Inquiétant, tu m'étonnes. La plus grande possède des dents acérées étant une main au long doigt pâle vers vous. Joignez-vous à nous, ma sœur, et venez ressentir la chaleur de la tour. Retirez toutes vos frappes. Et on peut obtenir donc des cartes qui font 5 dégâts, récupère 2 PV, d'accord? Non mais en fait, c'est quoi des cartes? J'ai des cartes frappe. Est-ce que j'ai des cartes frappe? Du coup c'est gratuit si j'ai pas de... dormir en 2018. J'ai pas de cartes frappe. Là, je demande, je consulte le chat. Est-ce qu'on est d'accord? Ah, il faut que j'ouvre le coca. Il est tombé tout à l'heure. Ça va être violent. Je me mute, comme ça vous répondez pendant ce temps-là. Ah, c'est mes cartes, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, frappe, excusez-moi, oh là là, quand je vous dis. Donc au lieu d'infliger 6, on infligerait 5, mais on regagnerait 2 PV. Et on nous en donnerait 1, 2, 3, 4, 5. Mais non, parce que moi j'ai une frappe plus en plus. Donc non. Vous reculez et brandissez votre arme en signe de défi. La grande silhouette soupire très bien. Le groupe de silhouettes encapuchonnées se transforme en un épais brouillard noir qui s'éloigne. Il n'y a plus que vous. Excusez-moi pour avoir raté l'info que j'avais les cartes frappe. C'est même pas très malin. Okay. Oh là! Putain, mais elle redonne de la vie. Vous savez quoi? Déjà. Ensuite, réfléchissons grandement. Parce que la mystique, elle m'inquiète.
De ouf. Je vais me prendre 20 dans la tronche quand même dans cette histoire. Enfin, pas 20 exactement, mais... pas hyper gentil, hein. Ah, quoique. En fait, on était pas mal du tout. Ok, j'ai 8. Oh, mais c'est trop bien l'éventail, hein. Du coup, on a confirmation que ça se cumule. Là, j'ai joué 6 attaques. Boum. 8. Très très bien. Je valide. Déjà, on n'a plus la mystique. Elle nous fera pas son truc de gardienne de la ville, hein. Très bien. Roku qui nous sort. On va le garder le bullet time du coup. Oula, s'il faut. Yo, tu fais mal quand même, hein? Je sais pas si t'en es conscient. Ça part comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et c'est gagné! Merveilleux! Salut Tanuki! Comment vas-tu? Petit feu de camp. Petite amélioration de carte, non? Ce serait pas mal. Quelle la différence? Coûte moins cher, d'accord. Ça nous a pas posé de problème jusque-là. Poison paralysant est vraiment trop cher par rapport à ce que c'est. Enfin, du coup, on va l'améliorer. Ah, GG, Tanuki. Je souhaite que ça se passe bien alors. Le truc que je viens d'avoir, je vous l'ai pas dit. Parce qu'on l'a déjà eu du coup. Lorsqu'on se repose, on peut ajouter une carte à son deck. Vous appliquez un debuff à un ennemi, il subit 3 dégâts. C'est sympa comme pouvoir. Ah, ça c'est bien. Je veux ça. Merde, j'ai pas regardé les. Faut que j'arrête de faire ça, hein. Allez, je veux plus de poison. Hop. Ouais, j'ai un peu craqué, mais bon. Oui, oui, oui. Le pouvoir, SVP. Oh, ça aurait pu être bien, quand même.
Ah! I like it, yes. Parfait. J'ai dit d'utiliser ma force. J'en ai pas besoin, en vrai. Et en même temps, si j'en loot, je serais deg. Vas-y. Ok. Perso, j'aime beaucoup regarder ce jeu et toi, ton avis? Ah bah parfait alors, parce que j'aime beaucoup y jouer. Et je trouve ça très adapté pour ce type de live qui sont pas sur le soir, tu sais, sur le prime time. Je trouve ça très très plaisant. J'avais mal lu la barre encore, faut que j'arrête de faire cette erreur. Tant pis. Mais le seul souci, c'est que moi aussi, du coup, je suis scotché devant l'écran parce que je trouve le jeu captivant. Très intéressant sur le plan stratégique. T'as tellement de façons de jouer ton tour à chaque fois. Bien sûr, il y a qu'une façon qui est la meilleure, mais. C'est. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ah, un prêt, quoi! Là, il va prendre 14 et j'ai 13. C'est 28. On va faire ça. Et ça ira mieux. Donc là, il meurt. Ok. Et lui, 18. C'est bon. Ah oui, ça se passe bien avec le poison. Gros kiff, le poison. Salut Serge. Eh bah bien, je vais bientôt aller dormir. Vu que je joue poison, c'est quand même mieux ça. Alors. Feu de camp, truc machin. Ouais, on a mon ennemi sur ce trajet. Hein. On va pas. Quand on se repose, on peut choper une carte, hein, ils nous ont dit. Voilà. Ah, l'hésitation. Allez. C'était tentant l'autre carte avec le poison ici. Un petit event. Devant votre vous trône un hôtel décoré et consacré à une divinité antique. Dupliquez une carte de votre deck. Je valide. Il y a lui là, le poignard. Qui est pas mal. Le bullet time, bien sûr. Avoir plusieurs fois le bullet time, c'est quand même très intéressant. Putain, elles sont améliorées, les fléaux. Et avoir plus de poison, c'est intéressant aussi. Là, je le sens bien, on va bien voir, mais. Ah, on peut cumuler fumée toxique? Je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Fine.
Ouais, c'est vrai qu'il nous fait ce truc-là, mais... Ah, il nous a affaibli, c'est dommage. Parce que là, je cale des 14, mais... Non, on est vraiment bien là, c'est pas mal. En tout cas, j'aurais apprécié cette partie, quoi qu'il arrive. Et voilà, il meurt. Non, voilà diff par rapport au, à la première rencontre face à ce truc-là. Franchement, aucun de ces trucs-là. Hop. Oh, c'est la première fois que je passe. Ça y est. Il était temps. Bon, on se full heal, hein. Normal. J'ai déjà un petit peu trop de cartes là. Oh là, je connais pas du tout. Automate de bronze, ok. Annule 3 debuffs. Les intentions de ses ennemis sont inconnues. Il attaque pas, c'est déjà ça. Donc si on lui met faiblesse, ça servira à rien. On peut commencer. Bon, on va pouvoir l'empoisonner avec ça. Plus ça. Mais j'ai joué de carte attaque, j'en ai pas joué, ok. 5 par carte attaque. Tout même. Merde, j'ai oublié ce détail. Ah! Ça, c'est pas cool, hein. Ça, c'est grave pas cool. On veut tout caler. Hein. Ah, c'est vrai que ça y a annulé le poison. J'avais même pas fait gaffe. Il vient de piquer une carte. Il vient de me pêcher au bullet time, quoi. J'hallucine. Tu vas me la rechoper, tu vas voir. C'est pas ouf en plus là ce que j'ai eu. C'est pas ouf.
qu'on arrive à cumuler du poison, quoi. Je suis un peu inquiète, hein. Il va faire pop un truc en plus, hein. Ok, il m'a juste pris poison par les oreilles, je m'en fous. Je ne pense pas, Marmox. Je n'ai bloqué qu'une fois des cartes, en fait. En même temps, il me reste quand même pas mal de vie, hein. Mais il a 51. C'est quoi ce truc avec sa force, please? Je peux plus, là. Faut que mon poison il passe, mais de fou quoi. C'est tellement la mort. Ah, ça fait yesh. Oh, dude. Ah, il est étourdi. Est-ce qu'il vient de nous caler? On a 28 de poison, c'est pas mal. C'est jouable si m'attaque pas. Je... Là, je vois pas. Au miracle. Faut qu'il reste étourdi. Putain, il est encore étourdi. Ah, prochain. Ok, il m'attaque que 18 par contre. Attention. Alors. Ça, ça fait 20. Il resterait 60. En deux tours, c'est fait. Je suis trop stressée par ce qui peut se produire. Ah! C'est terrible. Tu vas y arriver. Je sais pas. Hein. Enfin, à tout prix qu'on se protège. Et en même temps, si je joue 3 cartes attaque, je gagne encore 4 aussi. Du coup, plus intéressant. Ok. À 4 points près. Normalement, c'est bon.
Je crois qu'on gagne les gens. 4. Ah! On gagne. Ça part sur un bullet time. Yes! Ah ah! C'est bon ça! C'était tellement chaud! Excellent. Et ça, ça aurait pu m'aider de ouf, en vrai. Genre quand il avait 30 de poison. Mais c'est chaud de faire perdre le poison. Mise à mort. Mise à mort, c'est bien. Ah, je suis contente. C'est nickel. Bon, on va voir jusqu'où on va pas aller loin, je pense, après. J'ai obtenu une potion, ça fait mal, ça. Parce que souvent un coffre, recevez une malédiction. Je n'ai pas ouvert de coffre. Plus de potions, c'est chaud. Ça, c'est positif au moins. Vas-y. Tadam! Je suis trop contente en vrai. Il en faut peu pour être heureux. On n'ira pas jusque là-haut, mais. Waouh, du coup, ça nous permet de voir l'autre décor. Trop bien. Je suis perdue dans tout ça. Du coup. Mais ils ont 4 millions de points de vie déjà, déjà. Si d'autres ennemis sont encore vivants, réanimation dans 2 tours à 50% PV. Ah ! Horrible. Putain, j'ai... C'est quoi le pouvoir que j'ai utilisé? C'est marqué où? J'ai utilisé un truc? Non, je vois pas où c'est. C'est débile. Je crois que je peux garder une carte à la fin, c'est pas ça? Oui, si, c'est ça. Parce que du coup, je peux garder Fléau. Et juste les empoisonner tranquillement. Pour l'instant. Allons-y, hein. Faut... Le pouvoir, on peut le voir là? Mais il est pas. Ah là! Oui, merci. Voilà. Super. Ah, je suis trop contente d'avoir battu le niveau 2. C'est rien, je sais, par rapport à ceux qui ont joué depuis quelques parties, mais. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup, comme dirait l'autre. Alors, tac. Parce qu'en plus, ça se fout de la protection. Ça va? Je vous gêne pas trop? Moi, je savais que lui, il allait nous faire mal d'un coup. Donc, on va lui infliger 20, mais il a que 4 de poison, ce qui fait 24. On est encore loin du compte. Il manquerait 14. Ça, ça fait 10. 18. Ça passe.
Sauf que... Ça va pas passer. Joseph. Si, c'est bon là, avec ça. Sauf que là, faut te vite les autres. Sinon, on est dans la merde. Deux tours pour la résurrection. C'est chaud. C'est chaud de ouf. Qui meurt en même temps. Par contre, j'ai pas du tout fait attention à me protéger. YOLO! Faut le tuer au prochain tour. Non! Bon, ça passe, il a 24, ça passe. Ça passe. Ouh, le petit bullet time. Oh, 17 dégâts à tous les ennemis. Attends, attends. Attends. On se calme. Ok, 15 c'est bon, 11 c'est bon. 24. Attends, on lui fait un gros coup. Le plus soleil. Bien, on aura battu un ennemi. Qu'est-ce que c'est? Il va encore me faire des sbires, des machins. Il gagne 3 en force à la fin de son tour. Le coup de grâce, c'est vraiment bien. Quand j'y pense. Ah, on va être deux, buffer deux. Non, 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 non. C'est pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Excellent ce jeu. Ah, une crame. C'est pas très très gentil hein, de brûler les gens comme ça. Oh. Odie, hein. Eh, la mise à mort, c'est tellement fort. Ya ya. C'est stylé ça en fait. Par contre, moi j'aimerais bien reposer mon personnage, hein. Je suis pas venue ici pour mourir. Oh, 300 points de vie, non mais... Alors oui, certes, mise à mort, tout ça, je comprends bien, certes. Mais ça pique. Ça pique énormément. Sachant qu'on n'a pas le bonus, c'est quand même dommage. Maman.
Qu'est-ce que c'est? Frêle, affaibli, tout. De toute façon, notre luck, c'est de partir sur le poison, encore une fois. Hein. Encore et toujours le poison. Le poison qui carry de ouf. Il fait pas beaucoup de dégâts. C'est bien. Finalement, il y a beaucoup de vie, mais... Mais... Si on pouvait lui claquer un peu plus de dégâts, ce serait pas de mal. Hein. De poison, je veux dire. Oh non, t'as pas le droit de. J'avais dit que tu faisais pas beaucoup de dégâts. Je dis ça, il me sort un 21 là. Ça va, tranquille? Je te dérange pas? Je te dis hein, si je te gêne. J'aurais jamais dû prendre le 3, j'avais un truc qui me donnait 6 si j'en prenais pas. Pas malin du tout. Bon, lui va nous tuer. Non, en plus, c'est même pas un mob élite. Hein. Ok, il aime. Ah, il vient de se choper un petit poison bonus. On apprécie. On apprécie. Ah non, mais il va nous claquer tellement cher. Hein. C'est le problème. En fait, on le fait vite, quoi. Hein. Sans blague. Ah, la petite faiblesse peut faire du bien. Faiblesse, le 6 dégâts, 4 poisons, défense. Ah, ça fait rien. Ah, je suis déçue, hein. On va pas se le cacher. C'est gentil, Sauvage. Très gentil. Merci pour ce commentaire. C'est apprécié. Ok. On peut l'avoir. Par contre, on va tuer que lui, quoi. Après, on, après, on est foutu en fait. Hein? Ah, bah si, c'est bon avec ça. Je rajoute un peu. Ah oui! C'est gagné. Ah bah je suis bien contente de l'avoir battu même si on va die du coup parce qu'il nous reste 6 points de vie. Ça fait plaisir. C'est le Kogan. Un soin, y a pas un soin. Oh là là. En plus il y avait ça. C'est trop bien le crâne. Et du coup j'imagine que ça c'est cumulable. Ça peut faire grave plaise. C'est trop bien. Ce jeu est génial. Mais tellement.
Oui, je prends trop de cartes. Oh, mais j'ai plus de vie, j'ai 6. C'est mort. Comment veux-tu avec 6? Et puis en plus, c'est... C'est mort. C'est mort. Enfin, 8. Du coup, j'ai 8. Excusez-moi. Je vais être trompée. Inflige 8 dégâts en mourant. Ah, c'est complètement mort. J'ai 3 attaques déjà, ça c'est bien. Ça. Je sais quand même, hein, mais. C'est complètement mort. Déjà ça. Ça me voit un petit peu plus clair. Ouais, l'autre il va me caler 10, donc c'est mort. Ah non, parce que oui, il va me rester 2 points de vie. Ouh. Oh, il était protégé, j'avais oublié. Ah non, on va perdre. On aura vu l'effet quand même, mais... Enfin, on l'a pas vu du coup, mais... C'est fini. Je pense. Ah ouais, c'est fini. On aura bien combattu quand même. J'aime pas assez de... Ah si, j'ai assez de cartes d'attaque pour le faire. Ah non, je meurs. Ah non, sauf si j'ai mon buff qui se déclenche avant. Il se déclenche après. Ah. Vous savez le truc qui me donne plus 4 d'armure. Bah finalement il se déclenche. Il se déclenche après que l'attaque ait été. La phase d'attaque ait été résolue. Bon, en tout cas, c'était une partie vraiment cool. Ça fait plaisir. En plus, on a déverrouillé un niveau. On a déverrouillé des reliques. Poupée d'Ouvo. Pour chaque malédiction dans votre deck, commencez chaque combat avec un de force supplémentaire. Oh. Ça peut être bien, hein. Ça peut être hyper bien.
Le masque souriant, le coût du service de retrait de cœur du marchand passe à 50 d'or. Gagnez 30 d'or, vous avez 10% de chance supplémentaire de trouver un trésor dans les salles. Point d'interrogation. C'était vraiment cool. Je sais pas combien de temps a duré cette partie. Tip top. On rejouera à ce jeu de toute façon. Merci les gens, vous êtes gentils. Non, vraiment cool. Je vous le conseille hein, si jamais vous hésitez. Il y en a qui disaient qu'ils hésitaient. Vraiment cool. Et les parties sont bien bien différentes. C'est ce que je trouve intéressant dans ce genre de jeu. Et puis il est bien... Ça combotte de partout. C'est hyper intéressant du coup. Franchement, gros kiff.